Mondial Sport, le nouveau partenaire de Grégoire, ONU Sport. Comme nous le disons, tant y Grégoire m'a fait un pub, il a fait un concours, non, il a connu les demain, parce que Mondial Sport va accompagner Grégoire dans ses œuvres. Donc, il a fait un concours, deux jeux concours, chaque semaine, il a gagné un lot. Semaine bonne, il a deux jeux concours, il a gagné un maillot et un blouson. Chaque semaine, on va préciser, bon lot, il a gagné. Donc, si vous avez un équipement avec, il a fait Mondial Sport, vous serez servi avec des prix imbattable. Donc Mondial Sport, numéro WhatsApp 77 059 99 84. Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc Gagnéndiaye, Warul Tid, Warul Ragal, Dany, Am, toujours Mbekte et contentement. Djaka Lok, Sincère, Inconditionnel. Donc information des Lions du Sénégal. Donc Youssou Moudou Badji a marqué pour un match de préparation avec le club de Bruges. Donc il a marqué mon. Quand elle a donc lancé Araka de Casasport a joué une mi-temps, Amadou Sagna a joué une mi-temps, Crépin Diarra aussi a joué une mi-temps. Donc les trois Sénégalais de Bruges ont joué chacun une mi-temps. Youssou Badji a marqué. Donc ça c'est une belle donc performance pour Youssou Badji qui aura plus de responsabilités cette saison avec le club de Bruges. Donc d'avoir revenu en janvier, il fallait que Moudem donc Djang un peu le football professionnel parce que le football local il a joué, le Sénégal l'a joué, mais cette saison il aura beaucoup plus de responsabilités. Mon Amadou Sagna, non, Rennes, on a eu une différence comme Crépin Diarra n'a pas défait. Donc, non, le demain, Crépin Diarra était titulaire avec Mamadou Badji. Après, qui dit, donc Amadou Sagna, de Fodougou, remplaçant. Donc, il y a une Turquie, Dembaba a été décisif. Dembaba, ils vont se battre pour gagner le championnat de Turquie devant Papadou Ndiaye. Donc, les Sénégalais vont se battre pour le champion de Turquie. Donc cette saison, donc Malick Thiaw, le jeune fino-sénégalais, donc Malick Thiaw, nous savons qu'il est sénégalais, là, tout sénégalais, là, mais il est né en Finlande. Donc moi, je suis un fino-sénégalais, mon prolongé son contrat avec Schalke 04 jusqu'en 2024. Nous, il n'y a pas de doute sur le potentiel de Malick et il a pu faire quelques apparitions à Bundesliga, lors de l'entraîneur David Wagner. Donc vraiment, c'est le très haut niveau. Donc Malick Thiaw, qui a 18 ans, donc il est promis à un très bel avenir, comme le roi Sané qui a été formé à Schalke 04, lui aussi, donc il peut faire une très belle carrière. Donc on espère que sous nous, course nationale U20, nous sommes en train de pour nous mener chance, parce qu'actuellement, nous sommes en train de convoquer, surtout avec la CAN U20 qui se profile à l'horizon, il faut d'abord nous on est dans le flou, parce qu'en U20, il faut en 2021, en 2019, deux ans plus tard, il faut en 2021. Mais on reste dans le flou. C'est dans le flou. Parce qu'il y a un coronavirus, parce que ça doit se tenir en Mauritanie. Malick Thiaw, Sofiane Diop aussi, parce qu'ils ont moins de 20 ans. Ils peuvent venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc, juste d'abord, on a renforcé l'équipe avec des binationaux pour Monlen, Jossange, nous sommes le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. On a fait John Lopi, Pamadar Sarr, Moussa Ndiaye, nous avons Alpha Djongu, ils n'ont pas encore 20 ans, on a joué à Benin, Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pas officier et supervisé par Rennes. Donc, Rennes, le club de Mbaïna et d'Edouard Mendy, nous suivons Bouba, Pape Abou Cissé, le défenseur de l'Olympique de Pirée, pour Moko Indi Foyetifa. Donc, Pape Abou Cissé, Rennes est un club qui peut jouer la Ligue des Champions. Donc, vous avez une offre Bouba en termes de grille salariale, vous avez une pour connaître ta carrière. Il a 24 ans, donc il peut donc s'imposer facilement en France. Donc, Faure Diédou aussi, il est courtisé par Fenerbahçe. Donc, Fenerbahçe a utilisé Moussa Sow pour me dire un intercédé pour mon Indi Faure Diédou, Félix Turquie. Parce que Faure Diédou, il doit évoluer dans deux ans championship. C'est l'attaquant numéro 1 pour l'instant de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, on a évolué dans la Premier League ou dans le club. Parce que, quand même, dans la division Angleterre, on n'a pas dépassé. Donc, vous avez aussi, donc, qui dit Ibrahima Cissé, et Pape Djibril Diaw, Folletier, Angers, ils sont en train de se faire. Vous savez, vous savez, vous savez, vous. Donc, on ne veut plus de vous. Donc, c'est clair. Pape Djibril Diaw, international Sénégal, et Ibrahima Cissé, ils sont allez trouver d'autres clubs. Angers compte Wultien. Donc là, il faut que nous voyons que le bouillon d'em en attendant donc, le début du championnat de France. Donc, Gagnéndiaye, Warul Tid, Warul Ragal.